Urban Tuck, c'est, on va dire, dans ma vie, avec Assassin, c'est, voilà, c'est le groupe le plus important. Ce qui est drôle, c'est que c'est mon ancien collègue dans Hypnotic, hein, qui écoutait beaucoup Urban Tuck à l'époque, et je lui disais, mais pourquoi t'écoutes ces tapettes là? Et en fait, un jour, il a laissé une cassette chez moi et elle traînait. Et j'écoute, et je me dis, putain, les mecs, quand même, ils sont bons, hein. Ils ont un style. Et puis, c'est ça, Urban Tuck, c'est dans le rap, c'est soit tu adores, tu adules, soit tu détestes. Et tu trouves ça vraiment merdique. Et bah, moi, je suis passé de l'autre côté de la barrière et j'ai surkiffé le groupe. J'achetais les CD en double. C'était, c'était n'importe quoi. En fait, le mec qui organise le concert, c'est que je savais que j'étais un gros fan. Il m'appelle et me dit, tu sais qui c'est qui vient? Je lui dis, bah non, bah dis-moi, bah bonne tête, disons. Oh, je lui dis, là, mec. Mais là, je dis, là, mais c'est pas possible, je peux pas le laisser partir, quoi. Et là, en fait, on attend, comme d'hab. Hein. Les carrés, c'est toujours pareil, les mecs sont en retard, ils nous font poireauter. Et ils arrivent chacun leur tour, en fait. Le premier arrivé en studio, c'est Crazy Bone. Faut savoir que dans le groupe, c'est le mec le plus calme. Il est assez discret, tu vois, même si c'est le meilleur. Il est pas très démonstratif. En fait, il me dit, mais toi, je te reconnais, toi, t'étais là hier. Et du coup, je discutais un peu plus avec lui. Et il me dit, il écoute, il me dit, mais putain, mec, c'est lourd, hein, ce que tu fais. Ça déchire, hein, putain. Et en fait, je déballe un gros sac sur une table. Et je déballe tous mes scuds de Bonne, les VHS, les DVD. Et les mecs, Crazy Bonne, il regarde. Et puis, il regarde dans le tas, il dit, mais mec, comment t'as eu ça? Puis à un moment donné, il regarde un autre CD, mais il regarde, il dit, mais cet album-là, on n'a jamais fait ce truc-là, nous. C'est qui a sorti ça, tu vois? C'est là où sa démarche et son album dénotent vraiment, et c'est là où moi, ça m'intéresse. C'est que il assume, voilà. Il assume son état de kiffeur de rap. Il va jusqu'au bout de sa démarche, il a kiffé des groupes. Il fait tout dès qu'il monte sur Paris pour les rencontrer, discuter avec eux, faire des morceaux avec. C'est pousser le délire assez loin, quand même. Puis après, les deux autres arrivent, en fait, Lazy et Wish. Puisque, en fait, Busy Bone et Flesh, les mecs sont interdits de se déplacer en dehors des États-Unis parce qu'ils ont pas mal de problèmes judiciaires. Donc, ils étaient trois, en fait. Et là, Lazy Bone arrive. Lui, c'est vraiment le mec le plus cool dans le groupe, celui qui discute vraiment. Il écoute mon couplet et là, en fait, il pète un pont, quoi. Le mec, je fais une phase, en fait. Où je rappe super vite et là il dit, mais mec, ça tue. Et tu sens que c'est pas du cinéma, c'est pas du bluff. Le mec, il a vraiment senti comme ça, tu vois. Moi je rappe ce couplet avec le sourire aux lèvres, avec la bénédiction de Crazy, le maître sur moi l'élève. On met les paquets dans les beats pour répéter les faux qui viennent me taire. Dans les bacs, on apporte la bonne musique de l'époque des bonnes thugs. Yeah, yeah. Et franchement, venant de la part de Bone Thugs & Harmony, qui est sûrement dans le monde le groupe qui maîtrise le plus ce style, surtout pour moi, c'est mon groupe préféré, pour moi, c'est la consécration, tu vois. Et là, je me dis, bah, vas-y, ça va tuer, quoi. Bonjour. Et donc là, ils passent en cabine, chacun leur tour. Qu'est-ce que tu veux dire, les mecs, ils amènent une vibe de dingue. Dès qu'ils se mettent à chanter, c'est différent de tout, tu vois. Don't trust the streets, they don't love you. If my old loving so bad. Let them think they hard because when the thugs show up, we international, irrational, the club blow up. Can I let you ask your it's factual, they all go nuts. It's amazing from singing, they all show love. Que je dis à Crazy Bone, ce serait bien que tu places un passage en vraiment en fast flow, tu vois. Il me regarde, ouais, t'inquiète. Là, c'est le maître en action. C'est le mec qui, quand il va rentrer, c'est la mitraillette. Ça va t'abuser. Là, il se met à écrire, il passe en cabine, pff, il kick un truc. Pff, on se lève tous, mais on se dit, mais. Là, on se prend vraiment une grosse gifle, tu vois. Et c'est là où tu sais qui est le maître. D'ailleurs, je le dis dans le texte, hein, tu vois. On kick le refrain ensemble, même. Non, ils ont pris le temps. Wish, à la fin, il vient me voir, il me dit, franchement, il me dit, mec, c'est super bien ce que tu fais.
ça me touche vraiment que tu sois un grand fan comme toi. C'est grâce à toi qu'on est, tu vois, que Bonne existe encore et des gens comme toi, tu vois. Et puis aujourd'hui, quand je revois les images, je me dis putain, mec, là, c'est pas juste un morceau que t'as fait avec eux, c'est, tu vois, c'est, tu vois, ils ont dit que tu kickais bien. Ah vraiment, gros souvenir avec Bone Thugs. Voilà, bah pff, quand ça s'est terminé, je me suis dit putain là je suis arrivé au bout de, comment dire, ouais, j'ai quasiment réalisé tous mes rêves, tu vois.